Que globalement, je suis sur le mien là. Je vais le rebaptiser en UDB quelque chose et l'enregistrer histoire d'être tranquille. DB pour la base de données en unité et le data module lui-même en DB. Ensuite, j'ai besoin d'une connexion à la base de données dont j'aurai besoin. Ouais. On va pas faire de thread et autres, donc j'ai juste besoin d'un composant pour accéder à la base qui sera configuré dans le programme. Ensuite, j'ai besoin d'un stockage de script. Donc je vais utiliser le TFD script, dans lequel je vais mettre ma base de données, la description de la base. Donc là-dedans, j'ai une partie SQL script et le premier de la liste. Je vais lui mettre donc ma version 1 de la base, version 0, avec la structure. Qui était celui-là. Voilà. Et après, bah, si j'ai alter table et doc-create, je ferai une version après et c'est le programme qui se démerdera. Donc là, il est stocké, on est bon là-dessus. J'ai mes scripts, j'ai la base. Les accès aux données, je les ferai par TFD query, par requête SQL sur chaque écran qui en auront besoin. Je vais éviter d'avoir des tables communes. Par contre, la base de données commune, elle sera connectée au reste. Donc là, je vais désactiver le login prompt, histoire de ne pas avoir la fenêtre qui demande la connexion. Et db. Je vais laisser FD connexion, ce sera très bien. Je m'en fiche. Côté code, alors c'est là où je vais copier ce que j'avais fait dans le webinaire. J'ai donc. Ah oui, si j'ai oublié, je vais quand même rajouter le driver SQLite, tfdphys SQLite driver, pour le fun. Même s'il est intégré d'office maintenant dans la connexion, mais comme j'ai pas saisi le driver de connexion dans le composant directement et je le ferai par code, il vaut mieux rajouter le composant pour qu'il rajoute les unités qui correspondent. Ça c'est bon, j'ai le FD script et après j'avais les tables dans ce truc-là, j'en ai pas besoin. Donc à la création de la fiche, enfin du data module, je vais gérer ma base. Donc évidemment je désactive la connexion si elle était. Pardon, j'active la connexion. Et c'est dans la gestion de la connexion, dans les événements de la connexion, que je vais travailler. Donc sur le before connect de mon truc. Je vais tester si la base de données existe et puis dans ce cas-là, je vais la créer ou la modifier sa structure. Voilà. Et une fois que j'aurai créé ma base de données, dans le After Connect, pardon, dans le Before Connect, je vais créer la. Enfin, je vais juste mettre les infos qui permettent de gérer le fichier, puisque en fait c'est le driver SQLite qui crée le fichier et qui contient la base s'il n'existe pas. Et par contre, dans l'After Connect, je vais exécuter mes requêtes de mise à jour de la base. Et donc c'est exactement la même chose que ça. Ici. Je ne me pose pas de questions, je copie-colle. Hop. After Connect, donc on est là. Je récupère le nom de fichier avec un DBV au lieu de DB pour le nom du fichier qui me servira à stocker le numéro sur un poste. Enfin Serge Girard avait suggéré d'utiliser directement le set local. Enfin, on peut stocker des variables en fait hein, dans SQLite. Je préfère continuer à utiliser ça parce qu'on peut stocker des méta en fait dedans. Je préfère utiliser un fichier à part comme ça je copie les deux et puis j'ai pas de soucis selon le type de base de données ou le moteur de base. Au cas où les méta ne seraient pas disponibles. Si le fichier existe, bah je. Donc le fichier de version, je lis le fichier de version, sinon bah je mets que ma version elle est à -1. Si la mise à jour n'est. Enfin la mise à jour n'est pas exécutée, et je parcours les versions de -1 plus 1, c'est-à-dire 0 à x fois x éléments dans mon SQL script. J'exécute les uns après les autres, évidemment, à chaque fois bah, j'incrémente le truc et j'enregistre les informations au fur et à mesure. Alors juste pour ça, je vais faire quand même mon écriture du numéro de version à chaque fois. Pas qu'une seule, parce que si ça plante sur une version, on se fait avoir pour tout le reste.
Donc, à chaque mise à jour du numéro, je vais incrémenter mon truc. Et du coup, j'ai plus besoin d'une mise à jour effectuée. Petite correction du bug par rapport au point de bug potentiel. Si j'ai une requête qui plante, tant qu'à faire, autant que ce soit ce script-là qui plante et pas le reste. Donc, je vais plutôt enregistrer. Si un script plante, je ne prends pas en compte celui-ci. C'est sur celui-ci qui doit planter, donc je ne ferai pas l'info, le truc. Donc je vais plutôt mettre ça derrière. Donc ça ne se mettra à jour que s'il n'y a pas eu de plantage, sinon bah, il passera dans le finali qui fera rien puisque j'ai rien à faire de particulier. Et là, bah, il envoie l'exception de toute façon derrière. Donc c'est bon. Et derrière, bah, j'ouvrais toutes les tables qui étaient disponibles sur ma fiche après avoir ouvert la connexion. Donc ça se faisait par code. Donc là, c'est OK. J'ai ma structure. Il y a juste le dbname à créer. Donc là, en l'occurrence, le dbname, c'était une fonction. Je vais faire la même chose pour choisir le chemin dans lequel je stocke ma table. On va la garder en privé, j'ai pas besoin d'y accéder de l'extérieur, mais je contrôle C. Et donc mon dbname, ben, j'ai un chemin que je vais calculer en fonction du fait que je sois en debug, en release ou pas. Et pareil pour le reste, donc là, hop, coller. J'ai donc un chemin, si je suis en debug, ce sera dans les documents. Alors là en l'occurrence, évidemment, c'est pas ça. Donc tpass combine. Donc dans les documents, je vais créer un dossier avec le nom du programme. Application.exename. Non, je sais plus ce que c'était. Alors maintenant, on a un truc dans la version DOS qui permettra de le faire en automatique. Récupérer le nom du programme. Et pareil, les tpass combine, un des tickets que j'avais soumis il y a quelque temps, a été traité. Donc il y aura des améliorations de ce côté-là, mais il ne faut pas le dire. C'est pas officiel. C'est un spoiler. Get document pass. Donc je vais faire ça et bon, je vais me mettre en dur, c'est pas grave. YouTube vidéo series. Tu fais des bugs. Ah si, il y avait ça, et donc je disais que c'était sur all software. Voilà, donc all software debug, YouTube machin debug. Juste vérifier ce que j'avais mis là. Donc all. Alors là j'ai pas de debug dedans. Je l'ai fait que là-dessus. Et là normalement dans les documents. Ouais, donc j'avais le tiret debug avec le sous-dossier debug normalement. Donc on reste là-dessus, puis derrière on aura notre nom de projet. En nom debug, c'est-à-dire en release, ben j'enlève le debug. Et normalement, je ne suis plus dans le document, je suis sur application data. Je ne sais plus ce que c'est, ça doit être home. Si je reviens à la liste complète relative au chemin sur le plateforme machin. Home pass, ouais c'est ça. Qui selon la plateforme et l'application data roaming ou le nom de l'utilisateur ou autre selon le système dans lequel on peut créer des trucs. Donc je suis en home pass quand je suis en release et en document pass pour le debug pour pouvoir rapidement accéder au truc et puis quand en release je puisse y accéder beaucoup moins vite. Donc là on est OK pour ça. Le chemin sera bon et donc là ce sera DP ou YouTube vidéo série. Point DB qui est rajouté tout seul ici ou point DBV.
qui est rajouté dans l'autre. Alors là, en l'occurrence, sur ce truc-là, je ne vais plus utiliser de mot de passe sur les bases de données, puisque les versions de SQLite ayant changé en cours de route, le format de stockage historique des mots de passe en Delphi n'est plus compatible avec les versions récentes de SQLite, donc ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça continue à fonctionner, mais on n'est pas sûr de la pérennité de la solution du patch, et je ne peux pas utiliser la solution de mot de passe de SQLite native, puisqu'elle est payante, et que le coût de déploiement est quand même assez cher. Donc pour des trucs open source, on va éviter. Et puis en l'occurrence, on s'en fout, c'est un truc qu'on diffuse pas. Au pire, si quelqu'un récupère les infos, bah, il y a les informations qui sont sur YouTube ou autre chose, sous forme de base de données, c'est pas bien grave. Même si ce serait mieux d'éviter d'accéder au dossier et au fichier. Donc j'ai mes données. J'ai la base de données qui se crée. Du coup, si je reviens sur mon projet, ici en Windows. Je l'exécute, normalement j'ai ma base qui va se créer toute seule, alors là on s'en fiche, tu vas aller dans le projet toi. Hop. Ou pas. T'es pas ce machin, il faut le système.io utile que j'ai oublié de rajouter. Qui contient ces chemins-là, F9. Ok, ça c'est bon, et donc normalement j'ai. Dans les documents, Wolf Software Debug et ça en debug, c'est bon. Et pourquoi j'y suis là? Ouais, c'est ça. C'était l'autre. Hop là. Donc j'ai bien mon truc avec le DB et le DBV, et donc lui, si je le vérifie, doit être à 0, c'est bon. Et donc, il est à 0. Si je réexécute le programme, il ne doit pas planter. C'est bon aussi. Évidemment, là, comme j'ai pas de mot de passe, je peux ouvrir ma base de données depuis ce truc-là. Déjà, je peux fermer celle qui était existante. Et l'enregistrer, ça fera peut-être pas de mal, hein, comme ça on l'aura sur le dossier de code. Et si je l'ouvre, je vais ouvrir celle qui est dans des documents et je pourrai regarder ce que je fais en même temps. Évidemment, puisque pas de verrouillage par mot de passe. Bon, ce qui veut dire aussi que je peux éditer la base réelle à la main, ce qui ne sera pas forcément une bonne chose, mais ça, chacun fait ce qu'il veut avec la version du programme installée chez lui. Voilà. Donc, j'ai bien la structure, j'ai bien les infos, ça s'est créé correctement, j'ai ma base. Donc, j'ai plus qu'à faire le programme, donc celui-là, je peux le dégager, mon programme de test, enfin de copier-coller. Retirer le projet, oui. Je peux aller là-dedans et virer le dossier correspondant puisque je ne vais pas y revenir. En tout cas, cette fois-ci. Oui, par contre, il doit être verrouillé par Delphi. Je ferai du ménage après, je pense. Hop là, oui, recommence. Est-ce que tu y arrives? Oui, tu y arrives. Ok. Donc je rouvre le projet. J'ai oublié un truc tout à l'heure. J'ai mis un lien dans le About, mais j'ai pas fait l'ouverture du lien. Donc si je suis sur le composant, je fais un clic dessus, autant qu'à faire. Alt F11. Autant qu'à faire, tant qu'à faire, autant ouvrir le truc. Donc c'est URL, open in browser, du lien qui est passé en paramètres sur l'événement qui correspond. Évidemment, si je fais help about, j'ai bien mon lien qui est actif. Voilà, bon, ça mouline un peu longuement, mais le site n'existant pas, c'est pas bien grave. J'avais autre chose à faire. Une fois qu'on a ça, normalement, par habitude, alors ce que je fais sur les autres projets, c'est que le title, le caption, de ma fiche, il prend le contenu de mon all about point title plus toc espace plus le numéro de version. Version number F12, qu'est-ce que j'ai mis sur le version number 1.0, donc V machin, et avant ce truc-là, je lui rajoute le debug.
Donc, accolade, accolade. C'est quand même plus facile avec une seule touche. If def debug, sans l'espace entre les deux. End if. Bah, else aussi, tiens, d'ailleurs. Histoire de le mettre dans l'information ici, donc on est ça, ça, plus, et donc crochet debug, crochet, histoire de savoir sur quelle version on travaille, parce qu'évidemment, si on fait n'importe quoi et qu'on est sur la version de prod, par erreur, ça va pas le faire du tout. Donc là, on l'a dans le titre, évidemment, si je compile en release, on pointe plus sur la même base de données et on le saura ici. Voilà, petit truc de base. Donc la gestion du menu, la gestion du titre à partir de la boîte de dialogue, comme ça on a les mêmes infos. Si je change directement le composant, ça se débrouille. Et le clic. Donc là, la fiche principale, elle est bonne. On va pouvoir attaquer la partie mise à jour de la base de données. 1h50 de stream, j'avais dit 2h. Est-ce que j'attaque aujourd'hui? On va faire les menus et les écrans. Alors, les menus ou les écrans. Ouais. En termes de contenu. Donc nous avons les tubes, donc un écran de mise à jour pour la liste des sites, hein, YouTube et autres, un écran de mise à jour pour les séries qui fera une branche sur les épisodes. Donc on a trois écrans de mise à jour, des écrans d'intermédiaire. Hein. Alors je vais faire un peu ce que j'avais fait ici. Alors, je sais plus si j'ai. Il est plus là. Je sais plus si je l'ai gardé là. Donc je vais virer d'ici. Ok. Hop. Donc je vais faire un truc un peu équivalent de ça. Donc j'ai ma liste de tubes. Et puis sur les livres par exemple, enfin sur les séries, j'aurai l'édition de la série qui permettra de faire les informations et puis le lien vers le tube et puis le lien vers. Vers les autres, je vais essayer de faire un truc un peu dans ce style. Sachant qu'en fait, je peux vouloir saisir un épisode indépendamment du reste, donc j'aurai les épisodes rattachés directement à la série avec une sélection, et les épisodes globaux sans lien avec la série. Donc j'aurai un écran, je vais noter là, écran admin tube. Admin série et admin épisode. Donc ça c'est du crude, hein, classique. Crude plus choix tube associé. Donc là j'ai un deuxième écran. Qui me permettra de lister les tubes et puis de cocher les cases ou le faire sur le même. Mais sauf que si je coche des cases, il faudra en plus pouvoir sélectionner l'URL et le comment, donc je vais pas le faire sous forme de grille, je vais plutôt me faire un deuxième écran qui listera les trucs comme je l'avais fait sur Delphi Books. Donc ça, plus choix des tubes associés, plus accès admin épisode de cette série. Et là, c'est donc un crude sur les épisodes, tous. Plus info tube associé, puisque pareil, les épisodes ils sont rattachés à une série, mais ils sont aussi rattachés à un tube, donc YouTube ou autre, avec des données complémentaires. Donc il faut pouvoir les saisir, et même si dans l'absolu, a priori, il n'y aura que YouTube pour la première version, en tout cas pour l'usage qui est censé en être fait, ce serait mieux d'être comme ça. Voilà, et j'aurai aussi évidemment. Un export de hop,
fonctionnalité export du texte pour copier-coller vers chaque tube au niveau de la série ou d'un épisode. Écran, la fonctionnalité. Donc il y aura du boulot quand même à faire dessus. Hein. Export du texte. Hop. Donc je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui et je reprendrai donc vendredi matin. Et on fera les premiers écrans. Donc on fera la gestion des tubes et puis éventuellement on démarrera sur les séries. Pour faire ça. Qu'effectivement, ça risque d'être. Ça sert à rien que je me lance dans un truc en disant je dépasse pas les 2 heures et que à 4 minutes de l'heure je me remette à déborder, ce qui va pas le faire pour le reste du planning de la journée. Donc, déjà 13h30, mon retard de démarrage fait que je ne peux pas aller plus loin. Alors, du coup, je vais publier les mises à jour là, hors ligne sur le site. Je vais valider les commits. Faire un commit global et puis rajouter les trucs sur le dépôt. Vous pouvez suivre le dépôt, faire une étoile ou juste vous le mettre en raccourci si vous voulez. Prochaine session donc dans 2 jours.